Je vais essayer de avoir ce toaster. Ça, c'est la fièvre. Quand je l'ai trouvée, elle avait une entaille au bras. En soi, cela n'a rien d'alarmant. Mais elle avait traversé un champ d'Antiaris toxicaria. Une passe sécrète. Un latex très toxique. Je lui ai donné un antidote régulièrement. Toutes les heures. J'ai peur qu'il ne lui faille déjà une dose supplémentaire. Mais j'avais vérifié pourtant. Il n'y en a plus. Où est-ce que je peux en trouver? Dénichez-nous quelques champignons cavernicoles et moi j'aurai de quoi faire. Parcourez les falaises. Vers l'ouest. Merci, docteur. Désolé de vous brusquer. Ce n'est rien, voyons. La fille doit survivre. Pour vous comme pour moi. Pervers. Ok. Ah moi je vers l'ouest. Écoutez, on va prendre Delta Plane, ça va être beaucoup plus rapide. Et on peut pas sortir son arc. Ah. Non 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 non. Écoutez, moi je me faites pas chier, hein. Je vais à votre truc. Ouf. Ouh là là, je sens que je vais me cracher. Oh fu. Ok, en fait c'est pas comme ça que... En fait ça c'est pour regarder. Et ça c'est pour conduire. Le stick gauche. Pas très logique comparé aux autres trucs. Je sais pas s'il y a des ennemis. Mais écoutez, pour ce que j'en ai à faire... On aurait pu dire que la grotte était sous l'eau. Ah, sous l'eau carrément. Oh, il y a un requin. Écoutez, je vais pas me faire chier à aller vraiment, enfin, dans l'eau. Aïe. Et le requin. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Cueille vite. Qu'on arde. Oh putain, voilà, j'étais sûr. Nagez plus vite. Quoi, nagez plus vite? Genre, je nage plus vite qu'un requin, moi, t'es fou, quoi. T'es sûr, je vais me faire attaquer par un requin. T'arrêtes, docteur, intérêt à savoir ce qu'il fait. Vénère. Ouais. Ah là. Non, 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 non. Moi, je ne fais pas ça. Jason, t'es un mauvais garçon. Mais je t'aime bien. Pause. Ah, t'es gentil, toi, mais tu pourrais remonter, quoi. Remonter, quoi. C'est vrai que c'est assez difficile quand même de faire de parler comme ça, essayer de dire des choses soit intéressantes, soit essayer de faire rire la galerie. D'amuser la galerie, de toute façon je dis de la merde. Ah, ça c'est sympa. Mais je pense que je vais devoir avoir besoin d'un autre viseur. Et bien viseur laser, j'ai pas regardé. Plus que ça, bon allez, on va monter parce qu'on va pas se faire chier. Et 5 balles, ça risque d'être chaud. Je vais peut-être prendre la K47 quand même, mais. Il faut que je trouve absolument une chèvre. Et tu viens de te toxiquer toi aussi. Et Far Cry, effectivement, toujours une maladie. Est-ce que ça fait aussi partie de... Ça c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je sais que dans Far Cry 1, on avait une sorte de maladie où on était un monstre un peu, si vous voulez. Puis dans Far Cry 2, c'était Amaria là. Toi la rouge. Oh. Easy. Tu es réveillé. Enfin. Pas complètement. Ouh.
Attendez, non mais t'es pas de ma gueule. Oui, oui. Le studio a appelé. J'ai le rôle. Génial, mec. Vas-y, retourne danser. On devrait pouvoir en parler comme des adultes, non? Lisa, on est à Bangkok, ensemble, et t'es incroyablement belle. Pêche-la. Vous voulez que je vous sépare comme vos amis? Promis à papa de veiller sur Riley, toi. Riley, ton petit frère, t'es un exemple pour lui. AJ, tu viens à ma remise de diplôme le mois prochain, hein? Désolé, je lui prie. Sympa. Docteur Herman? Bon, c'est bon, là, allez. De quoi t'as peur, au juste? T'es fait pour manier un flingue. Grant? Ah bah voilà. Merde. Oh, c'est une blague. Si je pouvais vous tuer, je vous aurais déjà tué, mon... Ah, l'op. Point de compétence dispo, 2. Oui, prends-en un. Prends-en seulement un, vas-y, oui. Ça m'énerve. Élimination pour supprimer discrètement un ennemi. Blindage. Une barre de santé en plus. Je vais apprendre ça, oui. Ouais, donc en fait on est obligé de le cacher. Ah ok, donc en fait on peut le cacher. Ok, relâcher LS pour relâcher le corps, ok. Ok, ok. Et il faut que je maintienne LS. Attendez, je vais avoir detection. Appuyez sur RS pour l'un. Maintenez LS pour commencer à traîner le corps de la cible. Utilisez RS pour vous tourner en reculant. Relâchez RS pour... Ouais, c'est ça. Horticulture. Ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, on va regarder ce qu'a chez le héron. Tire de la hanche. Confection de seringue. Ah, j'ai beaucoup envie d'exécution par le haut aussi. Écoutez, je sais que dans WoW ou ce genre de choses, faut surtout se concentrer sur une branche. Mais là, je pense que dans ce jeu, faut se concentrer sur les trois. Je pense que c'est pas comme, comme les autres. Après, on peut faire des... Enfin bref, je vais pas vous expliquer comment faire WoW. Boom. Bon, de toute façon, j'ai pas tué quoi que ce soit entre deux. J'espère qu'elle est pas morte, ta copine, un petit con. Oh. Par contre, ça, j'aime vraiment beaucoup. Enfin, moins ça, parce que c'est vraiment très, 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 très moche. Et que c'est très pixelisé. Mais, j'aime bien. On va pas s'attarder sur quelques petites erreurs qu'ils auraient pu, effectivement, pu éviter. Mais, voilà. Vas-y, monte. Qu'on a dedans. Si. C'est. Ça, c'est fatigant. On peut pas sauter, s'accrocher. Bon, vous allez me dire. Personne saute. Personne saute sur des échelles.
Non mais personne saute. Ah, bah. Personne saute sur des aisselles. Aisselles, échelles. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je peux rentrer? Est-ce qu'on a le dos? Absence, j'ai concocté quelques friandises. En fait, la jeune fille est réveillée. Mais elle a une très forte faim. Qu'est-ce que j'en ai fait, justement? Ah, c'est vrai. Je les ai toutes gobées. J'ai les champignons. Fantastique. Donnez-les-moi. Il faudra quelques minutes pour préparer le remède. Allez donc la voir. Ok. Je suppose qu'elle a pas bougé, si elle a une grosse fièvre. Pour ça, j'espère qu'on n'a pas besoin de repayer les armes qu'on a achetées. Ah bah non. Est un vrai barjou. Ah oui, il n'a rien de méchant. Non, il est assez gentil, en fait. C'est lui qui m'a amené ici. Je me suis enfui du convoi. Et après, j'ai dû m'évanouir. Ce docteur m'a sauvé. Oh, c'est bon de te retrouver. Ouais. Ça a été vraiment dur. Jason, qu'est-ce qu'il y a? Sa copine. Y a rien à faire. C'est quoi ça? Ça se trouve, il est peut-être sauvé. T'es sûr que ça va aller? Je peux parler des autres avec le docteur. Ouais. T'es sûr? Vas-y. Jason. Celui qui a fait ça. Celui qui a tué Grant. Trouve-le et tue-le. Salope. Bien sûr. Ouais. Mais je vous en prie. Je suis même pas. Merci. Je n'ai fait que mon devoir. Trois de mes amis et mon petit frère ont été enlevés. Si je les retrouve, je peux les amener ici. Il n'en est pas question. C'est trop risqué de cacher les victimes de Vass ici. Ces hommes achètent mes produits tôt ou le tiempo. Au contraire, c'est l'endroit le plus sûr. Il les cherchera jamais ici. Je vous en prie, docteur. Acceptez de les recevoir. Sinon, ils seront tous tués. Agnès? Tu sais que je ne te refuserai rien. What the fuck? D'accord, je les recevrai. Oh, Agnès? Il me faudra une double dose. Juste pour me calmer. J'espère qu'il l'a pas ken, hein, parce que... Tu m'attends là, d'accord? Je vais retrouver les autres. J'espère que tu l'as pas ken, petite alope. Que tu es. Oh, vous directement fermer la porte, mon de pervers. Ouais, elle va bien. Merci, Denis. Non, c'est toi qui l'as fait, pas moi. C'est ta victoire. Oui, mais où sont les autres? Il y aurait un moyen pour les repérer? Tu sais comment je peux faire? Écoute, Jason. Les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Medusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Medusa? C'est un bateau échoué sur une plage tout plein. Et gardé par des pirates. La voix du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son aide. Bah écoutez, je pense que... Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse la chasse avec vous. Parce que je crois que je vais m'arrêter là. Ouais.
jeu amélioré, etc. Il reste 243 balles. Viseur laser, mire métallique. Ça augmente la portée, augmente la précision. Ah écoutez, ça me plaît plus ça, hein, franchement. Allez, on va prendre ça. Oh non, le vent. Ah. Et je prendrai des peintures quand j'aurai l'argent. Ça. Jungle profonde et rouge, c'est sympa. Après, voilà, quoi. Bon, ça se voit pas énormément, vous allez me dire, hein, mais. Je regarderai. Écoutez. Sinon, je peux tout simplement reprendre mon fusil d'assaut là. En stock. Bon, écoutez, on va y aller comme ça. Bah, écoutez, vous savez quand vous verrez cet épisode, vous me direz, je pense que je ferai en sorte que je m'arrête ici. Puis là, je vais faire la chasse et si ça vous intéresse pas, faites-le moi savoir directement dans les commentaires. Si je fais en off ou pas. Et de toute façon, je le filme. Et on verra ce que ça donne. Donc bon, si je vois que les commentaires sont négatifs à propos de la chasse, bah je vous dis tout simplement à la prochaine. Bon, on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode, enfin une nouvelle session de ce Far Cry 3 qui est génial. Enfin pour l'instant on n'a pas pu voir énormément de choses, mais il est magnifique. Sur PC j'ai pu comprendre que c'était quand même bien plus beau. J'ai eu l'occasion de le voir chez certains youtubeurs, vous allez me dire. Et ouais, franchement, c'est. Waouh! Ça risque d'être quelques heures de plaisir. Et puis bon, si je vois que le let's play fail bide totalement, peut-être que je. Je sais pas, je verrai. On verra. C'est possible que je ne le garde pas, quoi. Alors, bon, bah, je vais regarder un peu la carte. Et puis, bon, bah, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Bah, portez-vous bien, hein, et puis ciao ciao.